mardi 18 décembre 2018. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel. Journal. Commission économie et finance chambre députés haïtiens organisé jeudi mardi 18 décembre 2018 là yon chita palé sous loi finance 2018-2019 là qui t'apparaît yon ti kras tout blanc selon président commission économie et finance chambre députés a grandi d'orfeuille. Ministre éducation nationale et formation professionnelle la rend hommage jeudi mardi 18 décembre 2018 là à 34 lauréats examen officiel pour année académique 2017-2018 là na occasion en ministre éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué Agenor cadet exprimé volonté gouvernement Moïse Seyan gagné pour faire promotion valet à encourager excellence académique dans pays dans page internationale journal la secrétaire d'état défense pays Angleterre Gavin Williamson fait connaître Royaume-Uni apprend toutes mesures nécessaires pour préparer yo à tout scénario qui permet yo sortir dans l'Union européenne sans aucun accord malgré yo pour recevoir aucune demande formelle mais il a préparé un plan urgence avec 3500 militants qui paraît pour intervenir dans l'idée pour appuyer tout ministère yo si yo ta gen besoin. Qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF. 38 route de Bourdon, Musso, zone primature. Téléphone 3 788 2093. CPJF. La clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, rivé 31 décembre, tout client Universal Motors gagne chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol. Ou ap gagne chance gagne un autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks a tan nou en 10 pis. Kicks pour Kicks, Pick-up Frontier pour Pick-up Frontier, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Axe spécial Nissan Décabesse, ça, c'est tout le monde. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test Drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Léo Sontis. Faut qu'on ait sauvé les faire clavier.
Bon songe koto soti ap ki koto ou vle ale. Bon konnen ki mesaj ou vle fè pase nan mizik ou yo. E pi ki jan ka mwen ke fanatik ou. Bon kou konnen vale kreasyon artistik. Se pou mizik mwen konn ki sa pou mfe. Pou mwen ka jwen ou sikse. Pou za fè la bank mwen. Mwen pa negosye Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Commission économie et finance chambre député haïtien organisé journée mardi 18 décembre 2018 la yon séance chita palais ak ministre économie ak finance lan Ronald Décembre sous loi finance 2018-2019 la ki ta paraît yon ti kras troublant pour parlementaire yo selon président commission économie ak finance chambre bas la Gandhi Dorfeuil qui exprimé inquiétude ak préoccupation yo sou budget sa pendant li fè konnen rencontre sa pral l'ouvrier yo et puis aider yo ba yon vote favorable à budget 2018-2019 la Gandhi Dorfeuil c'est président commission économie et finance chambas la qui était dans micro Garlins lui ak Marvin Henry commission économie finance et budget se trouve dans l'obligation de d'aller vite par rapport aux fêtes de fin d'année et aussi à la rentrée parlementaire 18-19, donc ça nous a carrélé dernière année législative pour mandat nous. Donc, je ne vous dis la ministre, budget ça revêt d'une importance capitale pour la commission, que vous traitez budget ça de budget criminel. En ce sens que les autres traités budgétaires des budgets criminels, c'est tout député qui est en grande difficulté sous terre la caillou parce qu'ils ont estimé que les députés ont travaillé contre le peuple. C'est ça l'opposition fait comprendre, c'est ça les politiciens fait comprendre, c'est ça la société a fait comprendre. Maintenant, par rapport à toutes les revendications légitimes des populations et opposition. Donc nous t'aimer qu'on est dans cadre budget ça qui d'a capable de décision d'aimer écrit pour nous parce que après ça c'est intervention pour que nous quelqu'un pour nous entendre qui décision que ministre finance là pour année ça prend pour enrayer les déficits budgétaires par rapport à l'année dernière qui était je disais tantôt qui était colossal côté que situation ça Jean on a vivre là entraîner la dépréciation de la gourde qui c'est monnaie nous et qui permet que jodi a inflation li galopante donc jodi a ministre de commission préoccupé dépréciation gourde là li très dangereuse pour la cohérence de notre société donc en tant que président de la commission, donc nous sommes préoccupés par la situation, ça, nous avons connu qui ça, année ça, que le ministre finance va le faire pour résoudre le problème. Nous avons l'autre inquiétude tout que nous gagnons. À chaque fois que nous invitons le gouverneur de la Banque centrale, là, il va venir. Là, nous poser question de dépréciation de là, nous connaissons que le ministre de finance n'est pas seul monde qui est responsable. Parce que nous avons une politique monétaire là qui dépend des banques centrales. Je dis, nous avons goût de la plongée, mais BRH, RETE, nous sommes capables de sans voix dans la situation. Ça, c'est comme un ministre qui coiffe la banque centrale. Nous avons la commission qui sait qu'on va faire comme connexion, contact qu'on va faire avec la banque centrale pour nous chiter ensemble pour nous résoudre le problème de dépréciation de la. Sous Bopal, ministre économie et finance lan Ronald Décembre exprimé satisfaction pour rencontre ça, li di ki bay possibilité
pour porter plus lumière sur budget 2018-2019 là et puis expliquer raison qui poussait yo mettre plus l'argent dans budget pour faire plus social. Ministre Ronald Desembre qui détaillait loi finance 2018-2019 là bay garantie ak parlementaire que toute étude ak disposition prend pour contrôler et puis gérer déficit budgétaire ak dépression goud la kap vale terrain nan dernier jour sa yo. Ronald Desembre, c'est ministre économie et finance qui était dans micro Garlands lui et Mackinson registre. Budget 2018-2019 qui déposé dans le parlement. Et exercice n'a fait là, c'est exercice que nous avons fait déjà. Mais je pense que une fois de plus nous avons toujours fait encore. Parce que l'homme de fait là, par rapport à ça, nous avons dit avant, yo, pas rien qui change, les données ont été même, les données macroéconomiques sur lesquelles on s'est tablé pour faire le préparer le budget, pour déposer le budget, pour élaborer le budget et le déposer, les données ça a toujours été même. Dans le contexte, côté que nous avons dit que le projet de loi de finances a tablé sur des performances macroéconomiques suivantes. D'abord, nous gagnons un taux de croissance, une croissance réelle de l'économie de 2,8%, porté par une croissance réelle soutenue de la valeur ajoutée du secteur agricole et du secteur de la construction. Conjugaison de phénomènes aéros fait que la plupart du temps, on n'est pas capable de maîtriser tout à fait la prévision qu'on fait, puisque des fois, on n'est pas capable de maîtriser les questions sociales, les questions de mouvement social, de mobilité sociale, les questions de qui liées à s'arrêter des remous sociaux, en d'un pays qui des fois au compte pas capable et maîtriser. Ce qui fait que l'objectif n'est pas atteint, mais on n'a pas parlé de déficit, dépensions entre temps étaient supposées aller dans le même rythme. Ça veut dire que puisque recettes ont baissé, ressources ont baissé, gomban et par exemple appui budgétaire que vous promettez, sous par exemple le cas de bid, pas bah on canap budgétaire, bien que le promette lui, il va bah lui, nous mettons le budget, mais il va bah lui. C'est jusqu'à la dernière minute, Banque mondiale vient bah on dernier appui budgétaire, elle vient rendre compte que une situation chaotique dans le pays, elle bah on dernier 20 millions de dollars, en fait qui équivaut à 1 milliard à 1,4 millions de dollars, c'est ça la dernière minute, il va lui, et laisse à l'heure fin bah lui, nous devons constater, nous devons constater un déficit budgétaire déjà alarmant. Et le ça, c'était servi seulement à enrayer, à diminuer le niveau de déficit. Nous étions capables d'aller même au-delà de 9 milliards lorsque, par exemple, on a rendu compte que nous avons besoin de financement et que besoin de financement, ça pas à supposer sortir au niveau de BRH. Nous étions capables toujours de placer des émissions de bons sur le marché secondaire et faire émissions de bons. Donc c'est ça, moi-même, je suis capable de répondre pour me calmer l'inquiétude que nous avons gagné éventuellement sous question de déficit. Donc, dépréciation de goudla, c'est l'évident, puisque lorsque au moins des BRH a fait des injections concernant la société, dans l'économie, donc émission monétaire, ça n'y a pas vraiment en contrepartie en termes de ressources. Donc, c'est évident que l'APG est fait sous change, l'APG est fait sous inflation, et c'est ça qui fait que au gain niveau de déficit et inflation santé. Regroupement national parti politique pour libération Haïti lancé un appel jeudi 18 décembre 2018 là by tout secteur opposition pour mandé yo observer une trêve pour période fin année. Porte-parole regroupement Ketli Surin Ado profiter occasion pour adresser la autorité pour mandé yo prend bon gens disposition pour freiner dépression goud la par rapport à dollar et puis plaider pour programme assainissement atterri tout bon dans quartier défavorisé yo. Ketli Surin Ado c'est porte-parole regroupement national parti politique pour libération Haïti qui était dans micro Melissa Félicien avec Marvin Henry. C'est New York qui tombe dans le mois de novembre passé, malgré la situation de travail très difficile. Renate profite occasion ça pour demander PMC pour prendre bon Jean Mézi pour accompagner le peuple dans la misère qu'il a fait face.
D'un coup, pour bonjour Mezi, Mezi presse PC pour freiner dollar qui grimpe monter, qui mettait pied sous goutte là pas qu'à respirer. Et là, il vient prendre Mezi ça yo, a bien amélioration dans la richesse. Renal va demander PMC pour prendre bonjour Mezi. Ensemble avec le directeur général de la police là, pour couper l'insécurité à Capca et Banda dans tout le pays. On a profité tout par PM non, petit conseil. On a dit PM non, pas arrêter de gérer seulement poste Premier ministre, mais mettez garçon sous lit, nous connaissons le capable pour satisfaire les besoins du peuple haïtien, qui a coupé en bas de misère sans bout. Renal a demandé pour la justice. Oui, pour la justice faire lumière sur le dossier Petro-Caribé. Pour la justice mettre code dans tout gagoté. Gagoté à droite, gagoté à gauche, gagoté droite et gauche. C'est la justice seule qui a mettre code dans tout gagoté pour nous capable joindre stabilité dans la société. Renalbe a fait appel tout à membre opposition. N'a dit opposition, on rentre dans le jeu démocratique là. On nous chita parler. L'en chita parler, n'a dit ça d'accord, n'a dit ça pas d'accord. N'a dit ça besoin ak ça pas besoin, n'a dit ça vle ak ça pas vle. Mais faut que nous chita parler parce que n'a défendre une seule cause qui c'est cause Haïti. L'en fin chita parlé, nous dit ça besoin, n'a pas capable joindre bon gens solution dans problème pays. Ministère éducation nationale et formation professionnelle rend hommage journée mardi 18 décembre 2018 là à 34 lauréats examen officiel pour année académique 2017-2018. Yo, cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, premier ministre Jean Risséan, président Sénat République la Joseph Lambert, dans discours circonstance li ministre éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué Agenor Cadet exprimé volonté administration Moïse Séan pour faire promotion valeur ak encourager excellence académique dans pays. Pierre Josué Agenor Cadet qui fait quoi parcours ak réussite lauréat yo traduit vitalité nation haïtienne. Invité lauréat yo fait preuve discipline dans tout reste parcours académique yo. Pierre Josué Agenor Cadet, c'est ministre éducation nationale ak formation professionnelle qui t'en a micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson registre. Il m'est agréable de vivre cette deuxième occasion qui m'a offert en tant que titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de rendre hommage aux lauréats nationaux des examens d'État 2018. Le plaisir est d'autant plus grand de prendre part à cette cérémonie en présence du premier mandataire de la nation, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et du chef du gouvernement, Son Excellence, M. Jean-Henri Séan. Il s'agit là du témoignage manifeste et de façon exemplaire de l'intérêt inconditionnel qu'ils accordent au système éducatif en tant qu'acte stratégique de la politique gouvernementale. Et tous les témoignages sont là. Excellence, au plus bien, bien sûr. Permettez-moi, au nom de tous les acteurs du secteur éducatif et en nom personnel, de vous présenter mes remerciements pour les efforts consentis au profit de l'éducation. Merci pour votre présence et votre large, entière et parfaite contribution à cet événement visant à honorer les valeurs montantes de la République. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce matin s'inscrit dans cette nouvelle dynamique instituée par l'État haïtien depuis quelque temps déjà, visant à promouvoir les valeurs et honorer l'excellence académique. Une action qui ne peut qu'encourager les familles et les jeunes qui consentent d'énormes sacrifices afin de boucler leurs études académiques. Chers lauréats, chers lauréats, ma fierté est grand dans ce jour
de pouvoir vous honorer avec toute l'émotion qui m'envahit en tant qu'enseignant de carrière. Aujourd'hui est un jour d'hommage et de reconnaissance publique de votre intelligence et du modèle de réussite que vous incarnez pour toute la jeunesse. Cet événement est d'autant plus important à l'ère de l'économie fondée sur la connaissance où le savoir vient d'être considéré comme étant un élément fondamental dans la détermination de la production de la richesse d'une nation. Ainsi, il relève de la volonté, il reflète la volonté et la détermination de l'administration moïsséenne d'accompagner davantage la jeunesse haïtienne à un moment où elle risque de perdre sa foi dans l'avenir. En vous honorant, en reconnaissant vos mérites et qualités intellectuelles, la République continue à tracer les sillons de son progrès social, de sa transformation que vous symbolisez. Issus des examens de l'école normale d'instituteur, EMI, du centre d'éducation familiale, CEF, du baccalauréat et de la 9e année fondamentale à travers tout le pays, vous représentez la diversité géographique et sociale de la République. Votre parcours ainsi que votre réussite traduisent la vitalité de notre nation, fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et qui, en même temps, fait le choix de consacrer l'éducation comme un domaine d'investissement public prioritaire. Bon côté pal, président République la Jovenel Moïse qui fait connaître succès avec réussite doué récompensé présenter lauréat comme modèle qui pour inspirer l'autre jeune écolier ak écolière génération cap vini yo. Chef l'État a fait quoi pour Haïti vini un pays émergent li indispensable pour citoyen yo bien formé académiquement et puis disposer ressources humaines qualifiées. Jovenel Moïse, c'est président République la qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackenson registre en suivre. Je tiens avant toute chose à vous adresser mes plus vives félicitations pour votre performance aux examens officiels de l'année académique 2017-2018. Par l'excellence de votre travail et votre capacité à vous dépasser, vous donnez l'exemple à tout un groupe de jeunes qui, désormais, voudront donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce matin, je suis ici pour vous dire ma fierté et mon admiration et également féliciter vos professeurs et vos parents qui, eux aussi, ont accompli un travail remarquable. Au regard de vos excellents résultats, je dois reconnaître que vous avez travaillé dur, avec beaucoup de détermination pour réussir. En dépit les nombreux défis auxquels vous avez dû faire face. Par les distinctions qui vous ont été décernées, mon administration veut montrer à la génération montante que le succès et la réussite sont toujours payants. En célébrant votre réussite, je veux parler de votre réussite scolaire et votre excellence académique. Je veux aujourd'hui dire à nos écoliers, à nos élèves, que pour mieux développer, ou bien pour mieux se développer et devenir un pays émergent, Haïti a besoin de gens académiquement bien éduqués, de ressources humaines hautement qualifiées et des techniciens compétents à tous les niveaux. Le développement ne peut en aucune façon être le fruit du hasard. C'est un cheminement. Et ce cheminement doit se faire à l'aide de la formation. L'éducation n'est pas seulement un besoin pour le développement du pays, c'est une nécessité, c'est une obligation. Nous avons besoin d'une génération bien formée si nous voulons voir un pays meilleur dans les 25 ans qui viennent. Il ne peut pas et il n'y aura pas de génération spontanée et le développement passe par l'éducation. Si au niveau de l'État aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de mettre le cap sur l'excellence, sur la compétence,
Nous avons besoin des gens formés, des gens bien formés pour développer ce pays. Mon administration a entrepris de nombreuses initiatives pour soutenir les efforts accomplis par les jeunes dans leur parcours scolaire et récompenser leur excellence académique. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance d'autant plus capitale qu'elle met en évidence les sacrifices des parents qui n'ont pas ménagé leur temps, qui ont dépensé leur argent et mis beaucoup d'énergie pour permettre à ces jeunes de boucler leur cycle d'études classiques avec brio et accéder aux études supérieures. Elle traduit aussi l'importance que l'État accorde au parcours exemplaire et à la discipline. Lauréat, vous représentez des modèles pour les jeunes qui sont en salle de classe. Votre réussite les encourage à vous égaler et à vous dépasser. Vous êtes leur héroïne, leur héros aussi. Je vous exhorte à continuer à les inspirer et à les motiver. Soyez toujours des modèles. Aujourd'hui, votre parcours exemplaire est célébré et honoré. Vous vous êtes distingué par votre courage, votre discipline et l'assiduité que vous avez mis à boucler vos études classiques. La République a donc décidé de vous mettre à l'honneur, d'apprécier les efforts que vous avez accomplis dans un contexte souvent difficile. La nation récompense votre travail à chaque fois. Éclair Info a continué pour nous dire concertation nationale force populaire qui sorti dans Kafoufeuille dénoncer phénomène insécurité yo dit yon série moun ta vle créer dans bloc Kafoufeuille porte-parole concertation nationale force populaire Fritz Gérald Rémy qui critique résultat enquête li dit organisation J'éclairé ak RNDDH fait sorti qui t'a indexé divers policiers yo dit qui t'a nan mauvais affaire mandé pour organisation sa yo ta ouvri enquête tout sous la mort policier yo kap dominer actualité a dernier jour sa yo pou yo ta sorti rapport sous chef gang la Saline ak bloc Matisan yo pendant yo mandé ak autorité concernée yo pou prendre bon jan disposition pour encadrer policier yo. Fritz Gérald Rémy, c'est porte-parole adjoint concertation nationale force populaire Kafoufeuille qui était dans micro radio télé éclair. Qu'on a foi gen situation insécurité yo vle mette pendant Kafoufeuille c'est un quartier populaire qui a plus sécurité la donne. Sécurité qui existe dans Kafoufeuille là, c'est grâce à la collaboration tout le monde dans Kafoufeuille qui permet de comme ça. C'est nos tabio, c'est jeunes yo avec toute police zone là qui mettent ensemble pour faire ça. Dans sens ça, nous estimons que après événement 6 à 7 juillet 2018 qui s'est passé là, nous vu nous avons plus insécurité dans pays là. Qu'on a dit non à toute forme de sécurité qui est réalité politique. Des graines gauches t'a voulu instaurer à cause élection qui proche. Qu'on a foué, J'éclairé avec RNDDH qui c'est des organisations de droits humains, t'a semblé victime de manœuvres politiques ça et tout. Ou bien, y'a plus choisi quand insécurité avec bandit. Parce que des rapports malachong ça, rapports pépé ça, rapports politiques ça, pas outil qui t'a voulu sécurité. Au contraire, y'a t'a plus voulu créer la troublaille. Pour qui ça? Les RNDDH ak J'éclairé pas jamais capable révéler sous li. Bref, dans enquête li mené yo. C'est une manipulation politique qui veut d'abord affecter travail police nationale là et ensuite créer climat insécurité pour certains candidats ak parlementaires malhonnêtes qui contrôlent quartier populaire yo qui représente électorat potentiel pour yo. Nous dit non. Kou sa pa passé. C'est nous qui connaissons valeur et importance policiers qui vivent dans la localité. C'est nous qui connaissons qui est ce qui est bon. Complot ça, pa passé, faut que vous fassiez vivre tête frette avec tout petit lio. Parce que l'insécurité, c'est poison pour toute société. Rapport à indexé de policiers. Dans ce sens, nous avons tablé la vérité pour la presse et toute population pays d'Haïti. Qui est ce monde qui Grégory Antoine. Grégory Antoine, c'est petit Kafoufeuille. C'est un élément qui grandit dans Kafoufeuille, qui fait études secondaires dans le lycée Jean-Jacques Dessalines. Après études secondaires, qui rentre dans la faculté de droit
pour apprendre science juridique suite avec état condition économique pays a il était obligé faire un dossier science juridique li pour te intégrer institution relé police nationale là et depuis lors grâce à leadership Grégory Antoine grâce à collaboration tout notable tout jeune qui en dans Kafoufeuille a vivre yon forme de sécurité que personne notre quartier pas jamais connaît Kafoufeuille pas gain vol là-dedans Kafoufeuille pas gain viol là-dedans Kafoufeuille pas gain kidnapping là-dedans Kafoufeuille pas gain ken vie zak nous wè k'ap fèt dans l'autre quartier populaire dans ce ça nous inviter la presse visiter zone là qui donc rapport peuple ça pas qu'a choisi faire Kafoufeuille ça nous camper pour demander instance droits humains ça RNDDH a tout éclairé pour li bay source preuve ak enquête sur rapport ça Collectif Organisation Populaire pour Progrès Haïti félicite gouvernement Moïse Seyan yo fait connait cap travail pour faciliter population en rale yon souf nan période fête fin d'année yo secrétaire collectif Organisation Populaire pour Progrès Haïti a Elisabeth Lafortune qui applaudit toute démarche yo fait connait cap faciliter réalisation dialogue président Taponia lancé yon appel à l'unité pour mander toute militant rete mobilisé pour permettre gouvernement plus assistance et soutien by population qui plus vulnérable. Elisabeth Lafortune, c'est secrétaire collectif Organisation Populaire pour Progrès Haïti qui était dans le micro Robert Sondorville avec Marvin Henry. Après au grand chita parlé que comité exécutif l'a fait jeudi 14 décembre 2018 dans cadre dialogue qui administration Moïse a prôné a copa estimé c'est un bon signe pour encourager l'initiative pour continuer chita parler à l'autre secteur. Dans même objectif ça, COPA a annoncé formellement retrait dans fond résistance là à toute l'autre organisation qui avait lieu. COPA a décidé retirer à qualité fait dans fond résistance là. Encourager tout programme gouvernement qui était visé améliorer condition la vie population. C'est tout si là yo qui plus défavorisé. N'a profité mandé pour toute militant organisation yo toute organisation femme yo rete mobilisé et chercher faire un sel à équipe collectif là yon façon pour appuyer programme président Jovenel Moïse là ak premier ministre Jean-Henri Seyan ko pa mandé pour gen bon jan passé main qui fait dans gouvernement pressé parce que nous constater gen plusieurs membres gouvernement qui pas atterri premier ministre Nous saluons l'initiative ou te prend pour te lancer assainissement jour qui était 26 novembre qui se passé là. Mais n'a dit tout, nous remarquons assainissement ça, c'est timidement la gaille école dans la ria, ça qui veut dire il pas arrivé à 100% sur population, il pas arrivé dans ghetto, il pas arrivé dans basio, il pas arrivé jeune militant organisation. Nous même dans copa qui était engagé dans la bataille pendant 22 mois de campagne, président Jovenel Moïse, là, nous demandons toute organisation de base pour mobiliser plus serré, toute organisation femme pour être plus serré, pour être capable d'encourager tout programme président Jovenel Moïse et le premier ministre décide de faire dans le cadre d'assainissement social. Yo. Dans page internationale journal la secrétaire d'état défense pays Angleterre Garvin Williamson fait connaître Royaume-Uni a prend toutes dispositions nécessaires pour préparer yo à tout scénario qui permet yo sortir dans Union européenne sans aucun accord malgré yo pour recevoir pièces demande formelle mais a préparé un plan d'urgence à 3500 militants qui paraît pour intervenir dans l'idée pour appuyer tout ministère si toutefois yo ta gen besoin en suivant un reportage avec Euronews. Au Royaume-Uni, la menace d'un Brexit sans accord avec l'Union européenne se précise chaque jour un peu plus. D'autant que le Parlement semble toujours décidé à voter contre l'accord de sortie négocié par Theresa May avec Bruxelles. Mardi, le gouvernement britannique a donc rappelé qu'il se préparait au pire des scénarios, avec le soutien de l'armée si nécessaire, comme l'a expliqué le secrétaire d'État à la Défense à la Chambre des communes.
Nous n'avons pas encore reçu de demande officielle d'un ministère en particulier, mais nous sommes en train de mettre en place des plans d'urgence. Et nous allons maintenir 3500 militaires prêts à intervenir, y compris des réservistes, afin d'appuyer tout ministère qui en aurait besoin en cas d'urgence. Les Européens se préparent également à un départ brutal du Royaume-Uni. La Commission européenne s'apprête à publier une série de mesures pour parer un éventuel chaos dans les secteurs vitaux tels que les transports ou les services financiers. Le ministre allemand de l'économie ne cache pas son inquiétude. Je crois que personne en Europe ne peut se permettre un Brexit dur. Cela nuirait aux intérêts économiques de tous, en particulier au Royaume-Uni. J'ai l'impression que le Parlement britannique et ses représentants se débattent très sérieusement. Ils se demandent ce qu'il faut faire, comment le faire et quand le faire. C'est quelque chose que nous devrions respecter en tant qu'amis et partenaires. Plusieurs pays européens ont également adopté des mesures spécifiques. Lundi dernier en France, un texte de loi a été adopté en procédure accélérée, face notamment au risque de paralysie dans le secteur des transports, après le 29 mars. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, n'a pas rappelé au quelques points qui t'a dominé actualité à commission économie et finance chambre député haïtien organisé jeudi 18 décembre 2018 là yon chita palé sous loi finance 2018-2019 là qui t'apparaît yon ti crasse tout blanc selon président commission économie et finance chambre député a grandi d'orfeuille. Ministre éducation nationale et formation professionnelle la rend hommage jeudi 18 décembre 2018 là à 34 lauréats examen officiel pour année académique 2017-2018 là. Na occasion ministre éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué Agenor cadet exprimé volonté gouvernement Moïse Seyan gagné pour faire promotion valet ak encourager excellence académique dans pays. Dans page internationale journal la secrétaire d'état défense pays Angleterre Gavin Williamson fait connaître Royaume-Uni apprend toutes mesures nécessaires pour préparer yo à tout scénario qui permet yo sortir dans l'Union européenne sans aucun accord, malgré yo pour recevoir aucune demande formelle, mais il a préparé un plan urgence avec 3500 militants qui paraît pour intervenir dans l'idée pour appuyer tout ministère yo si yo ta gen besoin. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.